partant. Parce que nous, on est plus près des forces de police pour l'habitude. Ah, très bien. Le premier, c'était bien. Ça. Pour reconnaître quand c'est bien. Ce ne sera pas la dernière, hein, puisque c'est vrai que l'annonce brutale nous a un peu tous surpris. Et il était important quand même d'avoir des réactions. Et aujourd'hui, il fait partie des premières réactions qu'on peut avoir contre la fermeture. C'est comme ça, parce que la fusion, ce n'est pas un mot qui nous convient. Hein. C'est vraiment la fermeture d'un lycée, et de surcroît un lycée professionnel, un lycée à taille humaine, contre l'idée de remettre les élèves. Hein. Il y a l'idée des poulaillers géants en ce moment dans Lyon, et bien on est en train de faire pareil avec les lycées. Donc le trajet, je vous rappelle, on va aller jusqu'à l'hôtel de ville. Là, on fera des prises de parole. Et après avoir envoyé le 27 avril un mail pour demander une audience, j'ai réussi à avoir le directeur de cabinet hier, qui refuse de nous recevoir sous prétexte que la mairie n'a rien à voir avec cette histoire. Rien. Donc, ce sont ces mots. Voyez avec le conseil régional qu'on a interpellé aussi, et qui nous dit c'est la mairie. Voilà. Qui de la poule ou de l'œuf? Je vous laisse deviner. Bon, après, c'est un jeu à trois, puisque le rectorat aussi, de son côté, passe les plats, hein, on peut dire ainsi, qui n'est pas mécontent de, dans un avenir proche, de faire certainement des économies de bout de chandelle sur le dos des personnels et des élèves.
sur la pour faire des économies sur le temps de l'apprentissage sont les mêmes. Eh bien non, elles seront dégradées. Dégradées pour les enseignants, dégradées pour les élèves. C'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir de la jeunesse, c'est ça qu'on propose. Il y a des moments comme tout ça. Questions à vous poser.
comme les collèges. Qui a la compétence du collège? Le maire ou le président du département? Non, mais il y a plus de lieu, soyons honnêtes sur les responsabilités. Les écoles, quand je ferme une école, il n'y a plus de lycée. Chère madame, je prends la responsabilité de la fermer, c'est ma compétence. Quand on ferme un collège, c'est de la compétence du président du département. Et quand on ferme un lycée, c'est de la compétence de la présidente de la région. Et quand on ferme les locaux, je suis propriétaire des écoles. Est-ce que la mairie veut bien récupérer les locaux de Saint-Germain, ou est-ce que s'il n'y a pas de fermeture de Saint-Germain? Donc si la région dit je mets à disposition, de toute façon c'est pas moi. Historiquement, le lycée était à disposition de la région pour mettre le lycée Saint-Germain. La région dit qu'il y a une baisse effective. Je vous explique. Vous savez mieux que moi, Germain. Donc, la région dit qu'il y a une baisse effective, le département dit qu'il y a une baisse effective, le maire dit qu'il y a une baisse effective. En primaire, en 10 ans, on a perdu 500 élèves. Donc aujourd'hui, je ferme des écoles à Auxerre. Je regroupe des écoles à Auxerre. Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. On va avoir des fermetures de classes à Auxerre à la rentrée prochaine. C'est annoncé. Il n'y a pas assez d'effectifs. C'est pas de mon fait. Les enfants sont donc une comptabilité propre. Et je ne suis pas ni le recteur ni la rectrice. Et je ne suis pas le président de la République. Moi je dis, j'ai du foncier. Donc je le mets à disposition de ceux qui peuvent l'utiliser. La région me dit, il n'y a plus assez d'élèves, je rationalise mes établissements. Moi je gère. Alors pourquoi la région dit que la responsabilité est de la mairie? Ah bah parce que ça les arrange peut-être. La région a le droit de maintenir le lycée au lycée Saint-Germain ou de le fermer. Moi je n'ai pas ce droit. Et donc si la région souhaite conserver le lycée Saint-Germain dans ses locaux, la mairie laissera les locaux. D'accord. Et quand vous vous êtes rendu compte que les locaux du lycée Saint-Germain appartenaient à la mairie, vous avez mis aucune condition auprès de la région pour dire... Moi j'ai simplement dit, si vous voulez libérer le bâtiment, il faut me le dire suffisamment tôt pour que je trouve une autre destination. Qui a priori était déjà prévu depuis de longue date. Alors aussi, vous savez que j'ai la fièvre acheteuse. On l'a vu. On l'a bien compris. Et donc vous êtes prêt à intervenir auprès du conseil régional pour demander que le lycée ne ferme pas. Et à soutenir du coup la mobilisation. On est quand même tous d'accord ici pour dire qu'on ne veut pas de la fermeture, puisque les conditions à la fois de la même manière qu'on ne voulait pas moins de formation. Mais si la région décide tout d'un coup de dire finalement ces élèves sont très bien là, c'est un lycée à taille humaine comme on l'a dit, la mairie suivra la décision de la région. Donc nous on va prendre à nouveau. Oui, mais il y avait bien une délibération, par exemple, pour soutenir l'obtention de moyens par Jacques Camus. Il y avait bien une délibération du conseil municipal pour soutenir les ventes de moyens de Jacques Camus. Mais de toute façon, alors je sais que pour certains d'entre nous, on n'est pas d'accord. Mais quand il y a une baisse des élèves, il y a des conséquences. Donc il y a eu un sujet sur des collèges. Des conditions meilleures avec moins d'élèves par classe. Ça pourrait être ça, la solution. Si on essayait de chercher à ce que les conditions soient les meilleures possibles, ça pourrait être ça. On va investir 42 millions d'euros dans les 10 prochaines années, entre autres sur les écoles, puisque c'est ce qu'on va faire à Sainte-Geneviève, c'est ce qu'on va faire au Rozoir, c'est ce qu'on est en train de faire rive droite, et c'est ce qu'on va faire au pied d'Alou. C'est-à-dire qu'on va recréer des cités scolaires en mettant tout sur place et en mettant les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions pour enseigner. Mais ce ne sont pas les meilleures conditions. Ce que je retiens sur ce que vous me dites, et on va pas pour tenir davantage, je pense que vous avez dit déjà suffisamment de choses, c'est que vous nous dites si la région décide de garder le lycée Pont sur site, la mairie ne s'opposera pas, suivra, vous n'aurez pas le choix en gros. Je prends acte. Voilà, vous prenez acte de je la décision. Je n'ai pas la compétence sur les lycées, d'accord. J'insiste. Donc, on prendra... Non mais vous ne demanderez pas à casser la convention. Je n'ai pas le droit de demander. Donc nous, ce qu'on va faire, on va demander à la région une audience auprès de madame. Et puis on verra quelle réponse. Et j'aimerais pas que la région vienne se mêler quand je souhaite regrouper deux écoles. C'est ce qui va se passer dans l'Auxerrois quand même. On va regrouper des écoles. On est obligé, parce que sinon on aura des fermetures de classes.
Voilà. Et ben, rive droite, mais nous, on va contre la fermeture de Paris. On va se regrouper. Dans ces rues, on va faire Renoir, on va travailler sur le pont. Mais vous voyez que vous êtes. Mais nous aussi, on est d'accord avec vous. Donc, on se rejoint. Et là, on sera d'accord avec vous. Voilà. Pour regrouper les écoles. Non. Regrouper les écoles. Je vois pas en quoi le fait. Mais ça va impliquer regrouper les écoles, mutualiser les moyens, ça implique nécessairement des fermetures de classes et des suppressions de postes. Donc ça, nous, on peut pas être d'accord avec ça, puisque ce qu'on recherche, c'est des meilleures conditions avec le moins d'élèves possible dans les classes, puisque c'est ce qu'il faut se faire au maximum. Un seul regret quand même. Après, c'est pas toujours plus. Le département est le seul département de la région à avoir connu une fermeture de lycée en 6 ans. Le seul. Et un regret quand même, monsieur le maire, c'est que le temps que vous nous avez accordé ici, qu'on apprécie forcément, n'a pas été... Je préfère le consacrer avec tout le monde et avec les représentants. La preuve, une dame n'était pas d'accord. C'était bien comme ça. Les représentants, ils ont... On dit pas que vous êtes cachés, mais c'est dommage. Dans la délégation, il y aurait eu des représentants syndicaux, il y aurait eu des représentants non syndiqués. C'est quand même mieux avec tout le monde, non? Et la prochaine fois, pas de problème. On fera une demande d'audience sur le parvis. Sur le parvis, c'est ça. Oui, Isabelle. On verra. Hein. Se voir tous à l'intérieur. Moi aussi, je suis mouillé. Donc, on ira voir la région. Il n'y a pas de souci. On vous tiendra au courant de ce qui a été dit. Merci à vous. Et on a bien pris note que vous nous soutenez. Enfin, vous ne voulez pas récupérer les locaux si la région. D'accord. Ça, c'est votre interprétation. Ah, ça y est. Mais ne le faites pas lire, s'il vous plaît. Vous ne forcerez pas. Vous avez filmé, il a dit, parce que. Chacun a son interprétation. Je connais mes prérogatives, en tout cas, je n'ai pas la prérogative. Finalement, est-ce que vous avez un projet? J'en trouve rien, oui, j'ai la fièvre acheteuse, oui. Ça a déjà été publié. On a vu des vidéos, on a vu. Moi, j'ai deux versions, avec ou sans. C'est-à-dire, s'il y a un lycée avec des élèves, je sais faire. S'il n'y a pas de lycée avec des élèves, je sais faire. Mais après, je m'adapte. Mon job, c'est ça. Très bien, faire quelque chose, ça n'empêche pas d'aménager. Mais aussi, la compétence et le pouvoir de décision, c'est bien la région. À bon entendeur. Et sur les écoles, c'est la mairie. Donc on se reverra sur les écoles. Sur des codes, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que ça m'intéresse un peu ce que vous avez dit, mettre des moyens pour les locaux, oui, il y aura des réductions de classe, par contre, les moyens de fonctionnement donnés actuellement par la mairie aux écoles et aux collègues sont largement insuffisants, et ils sont en réduction chaque année. C'est-à-dire que quand on compte les nombres de locaux, vous n'entendrez pas, je pense, les régressions syndicales. De toute façon, on n'est pas d'accord, je sais. Mais j'assume mes choix. Voilà. Bon après-midi et bon courage en tout cas. Il va récupérer tout ça et donc il va rien faire pour que ça se passe pas. Il va encourager. Donc nous par contre on va pouvoir dire et on va pouvoir porter cette volonté qui est la nôtre ici, que les services publics soient dotés de moyens supplémentaires de façon générale et qu'on retire pas et qu'on ferme pas encore un lycée. Moi, je voulais juste faire une intervention, et je vais la faire rapidement, sur la question de la réforme de la voie professionnelle, parce que c'est aussi le fond de ce qui se passe ici et ce qui se passe là avec le lycée Saint-Germain. Il y a aussi un enjeu plus large et national sur l'ensemble de l'éducation nationale, en passant pour le ministère par la porte des lycées pro. Et donc, je voulais vous lire le communiqué qui a été fait par mon syndicat FO au niveau national. Donc, au lendemain des annonces du président Macron et du ministre Ndiaye sur la réforme de la voie professionnelle, la FNEGAP-PFO réaffirme son soutien à son syndicat, le SNETA-FO, mobilisé depuis plusieurs mois pour la défense des lycées professionnels et des professeurs des lycées pro. À travers cette réforme, le président Macron s'en prend au statut de tous les personnels et affaiblit le cadre national de l'enseignement public pour le soumettre aux besoins du patronat local. Donner la carte des formations à des CNR locaux composés de personnels, d'acteurs économiques et des collectivités locales pour conditionner le maintien des filières et des postes à la mise en place de projets particuliers et soumettre l'enseignement public aux pressions locales les plus diverses. Recruter des professeurs associés pour inféoder les missions des personnels aux besoins des entreprises. Dans la continuité du chaos des fermetures des lycées de Paris et du Grand Est, et là ici du coup de Saint-Germain, supprimer à la rentrée 2023 80 filières qui ne correspondent plus au marché de l'emploi, cela réduit drastiquement l'offre de formation pour les jeunes et trahit la visée réelle de la réforme. La mise en adéquation, et c'est ça son objectif, la mise en adéquation de l'enseignement professionnel avec le marché de l'emploi.
en parfaite continuité de la loi Pénicaud de 2018. Les propositions de reconversion en école, en collège ou sur des missions qui n'ont rien à voir avec l'enseignement à moins de 4 mois de la rentrée sonnent comme des injonctions à devenir des bouches-trous du système éducatif à l'encontre de la logique de corps et de carrière. Mettre en place un pacte pour imposer toujours plus de tâches définies localement et s'attaquer au statut alors que l'ensemble des syndicats le rejettent. Mettre en place un bureau des entreprises dans les lycées professionnels pour qu'elles viennent y faire leur marché et pour transformer les lycées pro, voire les collègues, en annexe de Pôle emploi. Faire entrer l'entreprise au collège pour une demi-journée hebdomadaire de découverte des métiers de la 5e à la 3e après avoir liquidé le service public d'orientation et fermé des centaines de CIO. Tout ça est scandaleux, c'est insupportable. Et ce qui se passe là, ici, au niveau d'Auxerre, avec le fermeture, ça participe de la même logique, qui est la logique de destruction des services publics et de la destruction des services publics de l'éducation. Merci à tous. Je ne vais pas prendre la parole pour le SNES, même si je suis aussi un représentant départemental, mais pour les collègues de Fourier, puisque au-delà des questions syndicales, on est des enseignants, il y aura aussi les jeunes qui vont s'exprimer après, qui sommes touchés par les différentes annonces qu'on a subies le lendemain de la rentrée scolaire et qu'on avait eu en tant qu'annonce seulement la veille des vacances. Tout ça donne une impression d'impréparation, donne une impression d'agissement en catimini, puisque j'imagine que les collègues de Saint-Germain avaient eu la même information. En réalité, c'était depuis le mois de décembre au minimum que tout cela était en cours de négociation entre le rectorat, la région et la mairie. 2021. Voilà. Alors 2021, c'était encore sous forme de projet, mais là on parle des éléments vraiment actés. Alors entendre que la mairie s'est retrouvée d'un seul coup par miracle mise au courant, on a un petit peu de mal à croire, mais on a tous entendu que si jamais la région ne souhaitait pas fermer le site, c'était une décision qui serait suivie par le conseil municipal. Et donc c'est là-dessus maintenant qu'on va devoir réussir à pousser en voyant le conseil régional avec le soutien des organisations syndicales, mais pour essayer d'obtenir l'annulation. Alors c'est d'ailleurs pas le bon terme, parce qu'il n'y a toujours pas une délibération, c'est-à-dire que ce n'est pas tranché officiellement, mais pour essayer d'obtenir que la fusion n'ait pas lieu. Pourquoi est-ce qu'au niveau de Fourier, il y a une opposition à cette fusion? Pas contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, parce qu'on ne voudrait pas des collègues de Saint-Germain ou des élèves de Saint-Germain. Vous vous doutez bien que le problème n'est pas là. Mais parce qu'on sait, pour avoir déjà un établissement de 1200 élèves, avoir un établissement qui concentre des publics issus de milieux sociaux défavorisés. On sait à quel point cela est difficile à gérer. On sait à quel point c'est néfaste en réalité pour les élèves. On sait les problèmes de vie scolaire que cela crée. Donc pourquoi essayer de créer un lycée encore plus gros, concentrant encore plus la difficulté, alors qu'on avait une structure qui fonctionnait, qui était efficace et qui apportait des solutions aux publics qui en avaient besoin? Voilà, c'est ça que l'on veut défendre. Si jamais il y a une négociation à avoir sur le long terme, oui, on peut éventuellement réfléchir à une réorganisation des établissements sur Auxerre, mais pas en diminuant les salles, pas en diminuant l'offre, pas en diminuant le nombre de collègues. Là, on pourra éventuellement travailler sur quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je voulais quand même remercier outre les collègues de Saint-Germain, les collègues de Fourier qui sont présents, remercier les collègues des écoles, des collèges et des lycées d'Auxerre, puisque, sauf erreur de ma part, au cours de la manifestation, la totalité des lycées, lycées privés mis à part, assez étonnamment, mais la totalité des lycées de la ville était représentée, puisqu'on avait des collègues de Jacques Camiot, on avait des collègues, bien sûr, de Fourier de Saint-Germain, et on avait des collègues de Vauban. Voilà. Et c'est cette unité qu'il va falloir défendre, donc plus les collèges, les écoles. Si je représente en fait tous les lycéens de Saint-Germain, et je suis contre la réforme. Il faut vraiment se mobiliser et j'espère avoir des lycéens autour de moi pour qu'on se batte et qu'on lutte contre ça. Contre Macron, contre les réformes et à bas le système. Élément pour les lycéens de Fourier, alors certains auraient pu être là, mais au moins en ce qui concerne les représentants lycéens au CVL du lycée Fourier, il s'avère que ce sont quasiment tous cette année des élèves qui sont soit en ce moment en formation pour les élèves, enfin les étudiants et étudiantes qui sont en BTS, donc qui pouvaient difficilement se libérer, soit des élèves qui sont sportifs de haut niveau et qui sont aujourd'hui et cette semaine tous en compétition nationale, voire internationale. Donc ils ont normalement prévenu les autres en fin de semaine dernière. Bon, hélas, on n'a pas eu de retour.
Mais en tout cas, eux aussi, et pour les raisons qu'on a déjà évoquées, sont opposés à la fusée. C'est-à-dire que la prochaine étape pour nous, c'est de demander un rendez-vous à la région, ce qu'on ne va pas manquer de faire, et puis monter à Dijon pour leur demander quel est leur projet à eux. Puisque le maire vient de dire c'est vrai la région, hein. On a tous entendu la même chose. Ah. C'est ce que moi j'ai entendu, je ne sais pas si vous entendez la même chose. Prenez bien soin de vous en tout cas, bon tour à chacun, et puis à très bientôt. Merci à vous.